Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle leçon, la numéro 2 des Connecte-toi pour l'école du sabbat, qui a pour titre Le ferais-tu? Elle relate l'histoire de Joseph face à ses frères et le thème du pardon. Pour commencer, nous allons donc partager ce temps avec le pasteur Jean-Jacques Chaffaucrac. Bonjour. Bonjour. Et puis le pasteur Jethro Camille. Bonjour. Bonjour. Avant de débuter, nous voudrions remettre ce temps entre les mains du Seigneur avec Jean-Jacques qui priera pour nous. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te demander de nous guider, de nous inspirer, afin que nous puissions être enrichis par l'étude de cette leçon. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Ce contexte qui nous est proposé nous met en prise avec les problèmes relationnels au sein d'une fratrie. De nos jours, lorsqu'un couple a 5, 4, 3, voire 2 enfants, on a le sentiment que les enfants ont droit, d'après la loi, aux mêmes avantages, aux mêmes droits, au même statut, parce que tous sont filles et fils de leurs parents. À l'époque du peuple d'Israël, les choses étaient très différentes. Déjà, il y avait une distinction entre l'aîné et les autres. L'aîné avait le droit d'aînesse, il héritait de l'ensemble de la fortune familiale, c'est lui qui devait prendre la relève du patriarche. Il y avait une autre différence très significative entre le fait qu'on soit fille ou garçon. Les filles comptaient beaucoup moins que les garçons qui seuls héritaient véritablement de leur père avec comme charge de perpétuer la descendance de leurs parents. Il y avait encore une autre distinction selon qu'on était fils de la première femme ou fils de la seconde femme, voire de la troisième. Les enfants de la première femme avaient un statut supérieur à ceux de la deuxième ou de la troisième femme. Nous étions dans un contexte de polygamie. Il y avait encore une autre distinction selon qu'on était fils d'une femme libre ou fils d'une femme esclave. Et on va retrouver dans la descendance de Jacob un peu de tout cela. Il avait deux femmes légitimes, la première femme, Léa, la seconde, Rachel. Il avait des épouses qui étaient libres, Léa et Rachel, des épouses qui étaient esclaves, Bilha et Zilpa. Il avait des filles, il avait des garçons. Et il faut rajouter à cela, eh bien, les préférences qu'avait Jacob pour certains de ses enfants. Puisqu'il préférait Rachel, automatiquement, les enfants de Rachel, sa préférée, avaient une faveur à ses yeux. Et notamment, le plus grand de son épouse Rachel, qui n'était pas le plus grand de la fratrie. Et toutes ces distinctions de statut, de préférence, vont engendrer des problèmes relationnels très complexes, très compliqués entre Jacob et ses enfants, mais entre les enfants eux-mêmes. On a vu comment cela a provoqué la jalousie des frères lorsque Jacob va donner une tunique de couleur à Joseph, comment en représailles de cette préférence, Joseph sera jeté dans un trou, certains voudront le tuer, d'autres essaieront de le sauver, finalement il sera vendu comme esclave. Et cette histoire de concurrence, de jalousie, de différenciation d'un enfant à l'autre va se poursuivre tout au long de la vie de Joseph, jusqu'à ce moment particulier où, devenu un homme très important en Égypte, il va devoir se révéler à ses frères et leur apprendre et vivre ensemble avec eux ce que c'est que le pardon, la réconciliation. Et le pardon et la réconciliation en temps normal sont déjà quelque chose de relativement compliqué. Mais il y a une donnée qui complique encore les choses, c'est que Joseph est en situation de pouvoir, mais de pouvoir absolu, vie, mort, survie du clan tout entier ou de partie, tout ou partie. Il est en situation de pouvoir. Or, le pouvoir n'est pas quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas quelque chose qui laisse les gens en l'état en règle générale. C'est quelque chose qui change le rapport des gens à autrui, ne serait-ce que parce que tout l'environnement change de comportement à partir du moment où vous avez le pouvoir. Je ne sais pas si vous avez constaté cela déjà, mais à partir du moment où vous avez le pouvoir, les gens se soumettent, essaient de vous intimider, ou bien se vous corrompent par la flatterie, par les louanges, enfin ça peut être tout un tas de choses. Et si vous avez une personnalité
une assise spirituelle qui est bancale, bien le pouvoir va vous servir à vous affirmer, le pouvoir va vous servir à exister. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez utiliser ce pouvoir pour avoir le sentiment d'être quelqu'un. Or, Joseph a une attitude complètement différente. Et on revient à cette notion d'assise spirituelle et de centre de gravité spirituelle qu'il a pris le temps de construire avec ce Seigneur. Regardez dans Genèse 45, à partir du premier verset, il est dit « Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient auprès de lui et s'écria « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi ». Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit reconnaître de ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et toute la maison du Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères ne purent lui répondre tant ils étaient saisis d'épouvante en face de lui. Joseph dit à ses frères, « Je vous en prie, approchez-vous de moi. » Alors ils s'approchèrent et il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour l'Égypte. Maintenant, et ça c'est un verset extraordinaire, « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. » Et un peu plus loin, en verset 8, il dit, « En fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a fait père du Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. » Et on voit que Joseph n'est absolument pas dans une dynamique revancharde. Voilà, vous avez voulu jouer au plus malin, maintenant vous payez à genoux, à plat ventre. Non, non, Joseph est vraiment dans une perspective spirituelle des choses. Un malheur est arrivé, mais de ce malheur, Dieu a permis de faire sortir des bénédictions et la survie de tout le clan de Joseph pour que la promesse notamment faite à Abraham puisse se réaliser. Si Joseph n'avait pas été en Égypte, cette promesse n'aurait pu se réaliser. Donc, il est plutôt dans une approche spirituellement pédagogique et de réconciliation. Donc voilà, ça c'est les points clés que je voudrais tirer de ce passage de la Genèse. Joseph ne se laisse pas corrompre par le pouvoir ou par l'absence de pouvoir, parce que son centre de gravité spirituel, son identité réside dans sa relation avec Dieu, dans ce que Dieu lui donne et non pas dans ce que l'influence des hommes ou le pouvoir des hommes lui offrirait. Et deuxièmement, quand il s'agit d'être de la réconciliation, il ne s'agit pas d'une réconciliation de principe, il s'agit d'une réconciliation sincère. Il ne peut retenir ses larmes, il est heureux de revoir et il s'inquiète pour sa famille. Et puis, il est dans une approche également de pédagogie. Vous savez, avec tout ce petit piège qu'il leur tend pour voir s'ils vont laisser le petit dernier en Égypte ou si l'un d'entre eux va se sacrifier. Et ils se rendent compte que leur cœur a vraiment changé. Donc, ils se soucient également de leur croissance spirituelle et de leur salut spirituel. Donc, c'est vraiment une approche qui est extrêmement noble et qui, pour nous, est un exemple. Tout à fait. Après avoir débattu, on peut se poser la question, en revenant sur le titre, « Le ferais-tu ? Serais-tu prêt à pardonner ton ennemi ?» À pardonner l'ennemi, c'est celui qui nous a fait du mal, qui nous a blessés, qui nous a trahis, quelqu'un en qui on a eu confiance et qui nous a déçus. Serais-tu prêt à le pardonner ? Et d'échanger autour de cette question. Et là, de manière très pratique, on peut se rendre compte de la difficulté de pardonner, du désir de justice, de vengeance, et comment faire, comment surmonter cette colère, comment surmonter sa révolte quelque part, comment accueillir le pardon de Dieu. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous. Il ne nous est pas demandé de se pardonner nous-mêmes, d'être notre propre juge, mais de recevoir le pardon de Dieu, de discuter autour. Je pense que ça vaut le coup de prendre le temps de discuter du pardon de Dieu, ce qu'il représente, un pardon plein, vrai, entier, qui nous est offert par pure grâce. Je pense que ça peut toucher les jeunes de savoir que Dieu est disposé à pardonner pleinement, à nous pardonner. Et ensuite, comment ce pardon que l'on a reçu est un moteur pour nous aider à le transmettre à d'autres. Parce que peut-être, bien souvent, on n'ose pas, on n'arrive pas à pardonner l'autre parce qu'on n'a pas non plus, quelque part, réalisé le pardon de Dieu pour nos propres fautes.
Voilà, il y a, c'est un sujet riche et extrêmement important, et je crois que ça vaut le coup d'échanger de manière très pratique sur ce sujet-là. On peut conclure peut-être Oui. ce moment de partage avec ces mots de conclusion d'Olivier. Oui. Pardon, c'est quelque chose d'infiniment riche et profond que le Seigneur le mette à notre disposition. Au revoir à tous.